Okay, and now we're going to hear from Nicolas Chaban, who started the biggest selling new food brand in French commercial history back in 2016. His operation, run by a cooperative of 7,500 members, have each paid €1 to join, and they have developed the consumer's brand. Its products have been sustainably produced using criteria together with the consumers. And those criteria include paying farmers a fair price, as Nicolas Chaban is now going to tell us in French. Bonjour à tous. Je vais le faire en français parce que c'est une très jolie langue à écouter. Vous pardonnerez, mais je vais faire cette présentation en français. On est très heureux d'être là. Je vois que j'ai 7 minutes pour vous raconter une histoire incroyable. Je me mets en spectateur autant qu'en acteur parce que je suis finalement un de ces consommateurs qui, en France, un jour, s'est dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas aider les producteurs à vivre de leur métier ?» Tout est parti d'une histoire très simple. J'étais dans une conversation avec un conseiller du ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll. Et en fin de conversation, ce conseiller nous dit « On est dans une crise agricole énorme, notamment pour les producteurs de lait. Est-ce que vous n'auriez pas une idée côté consommateur pour les aider ?» J'ai retourné la question « Combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur vive de son métier ?» Il n'avait pas la réponse, donc ce qui montre que peut-être c'est un chemin à explorer. Et puis finalement, il m'a répondu 8 centimes. 8 centimes par litre, fois 50 litres par an. L'équation est arrivée, si nous rajoutons, nous consommateurs, 4 euros par an sur nos achats de lait, nos achats passent de, finalement, pas équitable pour le producteur, à un vrai soutien pour les producteurs. Alors c'est comme ça qu'est née cette brique de lait. Je laisse le soin au traducteur de traduire cette phrase clé. Ce lait rémunère au juste prix son producteur. Donc ce sont de simples consommateurs réunis en coopérative qui ont décidé de prendre en main, finalement, à leur niveau, cette histoire, en disant « on va rajouter des centimes pour les producteurs, qu'ils puissent retrouver le sourire à l'autre bout, parce qu'il y a une petite sœur directe de l'équité, c'est notamment la qualité. Quand vous rajoutez quelques centimes pour qu'un producteur vive de son métier, au-delà de la dimension humaine, eh bien, il a pu, on le verra dans la présentation, enlever les OGM de l'alimentation animale. Il y a eu un choix fait sur les forages locaux, du pâturage, 3 à 6 mois, ce qui est important pour le bien-être animal en même temps. Donc voilà comment est née sur Internet, dans un coin du monde, la première marque créée par les consommateurs. Sur Internet, un petit questionnaire, donc je vais vous le montrer, sinon je ne vais pas utiliser cette présentation. Voilà, vous avez donc vous voyez, un questionnaire tout simple, quelques questions. La première question, c'est est-ce que vous voulez qu'on paie le producteur au cours mondial? Vous voyez, il y a le prix de 0,69 au départ, on ne le voit plus là, mais qui est impactant. Si vous rajoutez les 8 centimes, la brique de lait passe à 0,77. Est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM de l'alimentation? 5 centimes, 77, 82 centimes. Est-ce que 1 à 3 mois de pâturage serait bien? 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. Pour la première fois, un produit a été créé par des consommateurs qui comprenait chaque critère de l'histoire du produit et qui devenait une brique de lait à 99 centimes, ayant une histoire évidemment positive, qualitative, et qui protégeait les producteurs. Alors on nous a dit peut-être que c'était un rêve de consommateur. 3 ans plus tard, vous avez devant vous là, la brique de lait issue de la nouvelle marque la plus vendue de l'histoire de l'agroalimentaire en France. Sans publicité à la télévision, sans commerciaux dans les magasins, parce que nous partageons tous un peu de bon sens, une volonté de bienveillance. Quand on se rassemble autour d'un projet, avec les réseaux sociaux, on est capable de faire en sorte que les 5 millions de litres dont nous rêvions en France pour aider les premiers producteurs se transforment au bout de 3 ans en 150 millions de litres. Donc voilà une brique de lait équitable, qui soutient les producteurs, qui préserve la planète et qui est aujourd'hui une des briques, la deuxième brique de lait la plus vendue en France. Ce n'est pas pour les chiffres, évidemment, qu'on veut vous faire le témoignage de tout ça, c'est pour l'espoir qu'il y a derrière. Le monde politique a besoin, on le sait tous aujourd'hui, des citoyens, hein, comme là, ils sont devenus acteurs de leur consommation demain. Si on veut que des programmes politiques réussissent, il faut transformer le rapport aux citoyens, il faut qu'ils prennent en charge sa part, peut-être,
d'accompagnement, mais tout ça se fait à certaines conditions. Vous avez, c'est très important pour nous, le visage des producteurs, hein, puisque tout est transparent. La coopérative, évidemment, décrit tout son process. Les consommateurs qui sont rassemblés dans la coopérative vont vérifier que les centimes vont bien jusqu'au producteur, que les fourrages sont bien locaux. Donc à la fois, on crée le cahier des charges, mais on vérifie le cahier des charges. Vous voyez, ça, c'est important pour nous, consommateurs. Je pense que vous êtes tous sensibles au fait que votre argent ne serve pas à alimenter un système absurde qui, avec votre argent, qui deviendrait complice, créerait un inconfort pour celui qui travaille à l'autre bout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut reprendre la maîtrise de tout ça. Vous avez une famille de produits très grande qui, après le lait, s'est créée. Un petit mot sur le beurre bio. Le beurre bio a été créé, c'est qui le patron? On a rajouté des centimes pour aider la conversion bio. De simples consommateurs, encore une fois, on dit, si on rajoutait 15 centimes pour aider les producteurs qui sont en conversion, c'est deux années difficiles pour eux. Tout le monde a dit, la grande distribution, mon Dieu, mais vous ne vendrez pas un produit qui n'a pas besoin de centimes sur son prix. C'est aujourd'hui le beurre bio le plus vendu de France. Donc finalement, quand on recrée de la valeur, qu'on redonne du sens à un produit, c'est un espoir pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de perdant, hein. Tout le monde gagne sa vie. Le producteur est protégé, et nous, consommateurs, on est différemment entendus. Je veux rapidement aller vers l'extension. C'est une présence, alors, je ne vous demande pas de lire, mais vous avez des chiffres. Voyez, là, les ventes du lait à gauche, tellement supérieures à ce qu'on rêvait de vendre au début. Hein, et c'est pareil pour les œufs. C'est absolument incroyable. Sans commerciaux dans les magasins, sans publicité à la télévision. Et vous avez récemment, puisque là vous avez une présentation en français, pour tous ceux qui ne parleraient qu'anglais, pour leur plus grand malheur, eh bien, non, c'est une blague. Vous pouvez retrouver un article il y a 3 jours du Guardian, 2 pages dans le Guardian consacré à cette initiative née en France et qui maintenant se propage dans 8 pays, peut-être le vôtre, l'Italie. Je ne prononcerai pas chaque nom, mais quel patron, les États-Unis, it's my choice, Dialna au Maroc, en grec, là je vous laisserai lire tout seul le nom qui est inscrit, Du bist Herr der Chef pour les Allemands, qui est le référent pour l'Espagne, The Consumer Brand pour UK, et Wiest de Bass pour l'Allemagne. Donc voilà, mon temps est imparti, mais je crois qu'on partage tous, qu'on soit d'une nationalité ou d'une autre, la sensation claire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble et qu'on aide d'ailleurs le monde politique à réussir des choses. On l'a fait en France, 8 pays le mettent en place, les réseaux sociaux nous aident formidablement et il faut penser à tous les sourires à l'autre bout des producteurs qui, pour quelques centimes de plus, ont pu retrouver des nuits normales et une vie familiale normale. Merci à tous. Inspirational, I would say. Anyone, just out of curiosity, hands up, anyone that has come across this brand or bought it, either in France or somewhere else? Okay, some over here. Yeah. Okay, all right. Well, if we come back next year and I ask that question, I imagine I'll have to reverse it and say, who's not heard about it? Okay. All right, and this brings us to our third sustainable initiative.